to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh, I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée. Nous sommes dimanche et ce matin Elias nous a réveillés à l'aube en nous disant, il est arrivé avec son maillot de bain rouge dans les mains dans la chambre en nous disant « Maman regarde, j'ai retrouvé mon maillot de bain rouge, je veux aller me baigner à la mer ». Alors ça nous a donné une petite idée pour aujourd'hui. On va aller à la plage, elles ont réouvert, elles sont de nouveau accessibles. On va essayer de trouver un petit endroit calme où il n'y a pas de monde, comme ça, ça va être super chouette. Elias en avait trop envie, puis nous aussi, donc du coup on a déjà mis les petits maillots de bain en dessous de nos vêtements. Et on va aller prendre le premier bain de l'année, de cet été. Et j'ai trop hâte, Elias avait trop hâte aussi, j'ai préparé un petit sac avec des petites choses à manger sur la plage. Oui. T'es content? T'as trop hâte, hein? Oui. T'as mis ta belle casquette alors? Oui. Et ton maillot de bain? Avec des petites grenouilles, ton maillot de bain. Il est beau, hein? Des pleines grenouilles? Oui. Bref, j'ai préparé tout ça vraiment, c'est improvisation, hein, parce qu'on ne s'était pas du tout prévu qu'on aille à la mer aujourd'hui. J'ai préparé un petit pique-nique avec ce que j'avais à la maison. J'avais des petits chips, des briquettes comme ça, et puis des pains viennois, donc j'ai pu faire des petits sandwichs. Et voilà, du coup on emporte tout ça et puis on va à la plage, on va trouver un petit endroit calme. On va faire plusieurs lieux je pense pour trouver l'endroit parfait où il n'y a pas trop de monde. Allez, on est en route. C'est trop agréable de rentrer dans une voiture propre. On a notre petit sapin là. T'imaginais même pas comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas été dans une voiture propre et c'est trop agréable. Hein, ça donne envie de... Ça donne envie de reprendre la route. Ouais. Ouais, c'est ça. On est bien là. Et de découvrir de nouveaux paysages. C'est tout à fait ça. Puis Romain, il a tellement d'idées de photos là. Il va vous en mettre beaucoup sur son compte dans les prochains jours. N'hésitez pas à aller le suivre. Son compte, c'est éternel. Et il poste des images un peu photographie, geek et tout ça. Donc voilà. Tu fais ma promotion? Ouais, moi j'aime bien ton compte, je le trouve vraiment intéressant. Je trouve ça chouette si tu le développes encore plus, ça va être super sympa pour les gens qui aiment un petit peu tout ce qui est un petit peu de ton univers, la photographie, le geek, le gaming, tout ça, voilà. Je trouve qu'il y a un peu de tout et que ça peut plaire à tout le monde. Bon, on vient d'arriver à la plage, c'est une plage qui est dynamique, du coup on est obligé de rester, on ne peut pas poser les serviettes, tout ça par rapport au Covid, donc on a juste le droit d'avoir accès à la mer et pour les enfants vraiment au bord de plage avec les seaux, tout ça. Mais c'est déjà super qu'on puisse avoir accès quand même à la mer tout en gardant les gestes barrières, les gestes sécuritaires, donc comme ça il n'y a personne qui est à côté de nous, on est vraiment bien isolés, donc je trouve ça bien. On vient de repartir de la plage de La Ciotat. On va continuer, on va chercher une autre plage. En fait, c'est bien ce qu'ils ont fait dans le 13. Ils ont fait en sorte de faire des plages dynamiques, donc on puisse avoir accès aux plages pour se baigner, tout ça. Mais pas le droit de faire bronzette. Et c'est évident hein, pour garder les gestes barrières, tout ça. Donc on garde tous une distance de sécurité. On se regroupe pas, tout ça. Donc là, on s'est baigné, il n'y avait personne autour de nous. Voilà, on faisait attention à tout ça et je trouve ça super qu'ils aient mis ça en place malgré la situation parce que c'est vrai que, bon, effectivement, ça serait dangereux si tout le monde mettait les serviettes les unes à côté des autres, tout ça. Donc, s'agglutiner tout simplement. Ouais, tout simplement, donc c'est bien. Mais là, on va changer de plage, on va aller à des endroits encore plus tranquilles.
pour pouvoir profiter encore plus. Parce que bon, j'aime pas Elias, il court, des fois il fait pas attention à quelqu'un à côté de lui, donc je suis toujours en stress en train de lui dire non Elias, tu t'approches pas des gens. Donc on va trouver des plages encore plus tranquilles, des endroits vraiment bien isolés pour pouvoir profiter de se baigner tout simplement. Elias, il était tellement impatient d'aller dans l'eau qu'il a même pas pris le temps de manger. Je lui ai dit mange, mange, non. Il a couru direct dans l'eau et du coup là il mange sur la route quoi. Elias, il m'a piqué ma casquette. Elle est belle la casquette verte de maman? Oui. Il a trop hâte, regardez-le comme il court. Il peut trop aller dans l'eau là. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. C'était vraiment chouette, on s'est tous baignés, bon partiellement parce que l'eau était très froide, mais rien que ça, ça fait du bien, on s'est pas posé, on a été un petit peu sur des rochers, on a marché un peu dans l'eau et c'était super agréable. Et c'est demain. Oui mon amour, t'as fait un bateau avec les rochers. Et demain. Oui. Et on a été deux fois à la mer, on a été dans deux mers différentes, bah, la même mer mais à deux endroits différents en fait, c'est ce qu'il voulait dire Elias. Et là on rentre à la maison, on va aller goûter tout simplement, j'ai laissé mon haut de maillot de bain, bon ça fait un petit haut un peu haut finalement, de un petit crop top, mais en fait c'est un maillot de bain, il est encore un peu humide mais ça fait trop de bien. Et du coup on réutilise notre meilleure crème de l'été, on avait trouvé ça l'année dernière sur un marché, c'est du lait corporel, du lait d'ânesse pour hydrater et en même temps c'est un après soleil, donc à chaque fois on met ça après le soleil parce que bon, moi j'ai pris des petits coups, pourtant je me suis quand même protégée, mais les garçons n'ont pas du tout, on a mis la blinde de crème, moi je mets un indice 30 parce que je crame pas trop et les garçons mettent un indice 50, donc on va mettre la belle crème, elle sent bon hein, ça sent bon hein. Oui. T'aimes bien? Oui. Ça, en plus c'est trop agréable après quand t'as été dans la mer, t'as la peau hyper spéciale, un peu sèche et tout avec le sel. Et ça, c'est trop trop agréable après le soleil. T'as la peau qui tire et ça t'hydrate tellement. Et ça sent trop trop bon. Donc nous, on met ça, mais juste partout. Ah oui? Non. Quoi non? Que? Tu veux pas mettre partout? Non. Sur les jambes? Ça fait des chatouilles? Oui. Ça fait des chatouilles? Tu fais toi aussi? Ouais. Oh. Oh. Il y a un puits. T'es un zombie? Oui. Et petit pot. Voilà, c'est fini. Sens tout bon. Allez, on s'habille. À tour de maman. Qui est-ce qui va me... Moi, je dois prendre la douche avant. Toi, t'as déjà pris la douche. Maman, elle va prendre la douche avant. D'accord? Elias et Ododo, ce soir, on a mangé du saumon, maïs, avocat, tomate avec du riz. C'était trop, trop bon. Et là, on va, je vais regarder un petit peu la télé. Je vais prendre la correction de mon livre un petit peu. Il faut que je fasse au moins ça pendant une heure pour me remettre dedans et pas reprendre trop de retard. Et puis, je vous retrouve dès demain pour la suite de ce vlog. On va vlogger sur deux jours. Coucou tout le monde, je vous reprends le lendemain. J'espère que vous allez tous très très bien. Elias, il est trop content. On a reçu notre commande Zara que j'avais commandée pendant le confinement. Et il vient de recevoir une petite paire de baskets. Franchement, je suis trop contente parce qu'habituellement, j'achète que des chaussures de marque à Elias. Style Adidas, des choses comme ça. Et là, je lui ai pris une petite paire et elle est trop belle. J'avais jamais trouvé des chaussures enfants nom de marque trop belle comme ça. Donc je suis trop contente, j'en achèterai encore à Elias des chaussures chez Zara. Elles sont trop jolies, je vais voir comment elles tiennent dans le temps. Je suis trop trop contente, vraiment elles sont trop belles. Il est trop content, il dit mes chaussures elles courent trop vite. On lui a mis un nouveau petit t-shirt trop trop beau. Il fait des petits trucs comme ça là, il est trop mignon. Avec le short et les baskets, les fameuses baskets trop belles. Je les adore, je les trouve trop trop jolies. Trop stylées hein, t'es à la mode hein Elias.
Oui. Je vous reprends à la maison. Pendant le confinement, j'avais fait pas mal d'achats en ligne pour Elias sur le site Zara. Je vous avais expliqué qu'Elias avait beaucoup grandi et que j'avais aucune affaire d'été. Donc j'avais fait une grosse commande chez Zara pour vraiment le rhabiller assez complètement pour l'été. Et j'avais reçu mes commandes en pleine colis différents. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ça venait de divers entrepôts différents. Et du coup, j'ai seulement de recevoir le reste de ma commande. Donc j'avais eu un petit coup de cœur sur ce petit t-shirt là avec les manches. Donc j'avais pris les manches en jaune, en noir, en rouge, enfin plein de couleurs différentes. Et j'ai repéré exactement les mêmes t-shirts chez Bisbee pour hommes. Donc je pense que je vais faire une commande pour Romain pour qu'il ait les mêmes t-shirts qu'Elias. Bon, il n'y aura pas le petit détail ici, mais c'est exactement les mêmes avec la même couleur rouge et blanc comme ça. J'adore ce type de t-shirt, je trouve ça trop trop joli. Donc c'est certain, je vais acheter pour Romain également. Donc ensuite j'avais pris un petit t-shirt rayé comme ça, bon c'est assez basique hein. Et j'ai eu un coup de cœur, j'adore tout ce qui est coloré hein. Ici on est très très couleur. J'ai acheté ce t-shirt là qui est absolument trop beau, il est plein de couleurs différentes. Elias ne met pas de salopette et j'avais craqué sur deux salopettes, dont celle-ci. C'est une salopette un peu pantalon, on verra pas très très bien là. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Et c'est une salopette pantalon. Elle m'a l'air grande. Je sais pas si c'est le fait que ce soit des lignes, mais ça m'a l'air un peu grand, on verra, je lui ai serré. Mais déjà je vous avais expliqué la dernière fois que les vêtements en 4-5 ans de chez Zara, ça faisait un peu grand. Et finalement j'ai l'impression que du coup une fois lavé et une fois qu'il est... Enfin, il commence à super bien les mettre. Donc heureusement que j'ai pris cette taille là, je trouve. Donc j'avais repris un jean quand même. Voilà, c'est super bien pour le soir, tout ça. Et même c'est du 4-5 ans, donc ça il va me les porter jusqu'à la rentrée. Donc et comme la rentrée dans le sud, il fait très très bon jusqu'à octobre, novembre. Donc c'est plutôt cool. Donc j'avais pris aussi ce pantalon là, il est tout fin. Voilà. Donc voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui pour les derniers petits vêtements. Je pense que ça va faire des looks super sympas. Et moi il me fallait quelques petites choses pour aller faire une séance photo à Valensole le mois prochain. Donc je voulais trop un chapeau en type un peu paille et des robes blanches style un peu romantique. Mais je voulais commander sur Chine. Mais malheureusement il y a trop de temps d'attente et tout. Donc c'est 15 jours, un mois pour avoir chez Chine. Donc j'ai peur de ne pas les recevoir à temps, donc j'ai trouvé une petite combi short comme ça. Et d'ailleurs je me tâte à utiliser peut-être ma robe que j'avais utilisée pour le mariage à la mairie, pour faire ces photos. Mais voilà, j'ai trouvé une petite robe comme ça, un peu... c'est pas une robe, c'est une combi short, mais j'aimais beaucoup les volants et un peu la matière qui est assez jolie. Elle est bien taillée, elle me va bien. Voilà, avec un petit chapeau que j'adore. Alors le chapeau, je l'adore. Il est trop joli. Je pense que ça va faire canon les photos. J'ai trop hâte de faire les photos, de voir les champs comme ça, plein de couleurs, les tournesols, la lavande et tout. C'est quelque chose que j'avais trop hâte de voir et on n'a pas encore vu, nous, dans le sud, ces champs-là. Et je trouve ça très beau. Donc j'ai trop hâte. Et Romain aussi a hâte parce qu'il doit faire de belles photos au coucher du soleil, tout ça. On a trop trop hâte d'y aller. Voilà un petit peu ce que j'avais et j'ai pris une autre robe aussi. Je vous la montre. Elle est à l'envers parce que je l'ai essayée tout à l'heure. Voilà, une petite robe comme ça. Romain, il n'est pas hyper fan. Moi, je la trouve jolie, mais voilà. En fait, on ne sait pas trop dire si c'est une robe ou si c'est un t-shirt parce que derrière, ça fait long et devant, ça fait assez court. Donc, je pense que je la porterai pour la plage avec mon maillot de bain en dessous et comme ça, ce sera facile à retirer. Mais je la trouve très très jolie, les coloris, les petites fleurs comme ça, je trouve ça trop beau. Voilà, enfin voilà, un petit peu ce que j'avais commandé. Je vous montre un petit peu de temps en temps ce que j'achète. C'est vrai que j'achète pas grand chose depuis quelques temps là. Mais là, Elias en avait besoin et moi il me fallait quelques articles aussi. Sinon j'ai pas mal de choses pour l'été. Donc je pense pas acheter trop cet été de vêtements parce que j'en ai déjà beaucoup. Nous revoilà dehors avec ces deux spécimens. On retourne encore faire un pique-nique. On n'arrête pas de faire des pique-niques. Mais Romain voulait faire des photos encore. Donc on attend le coucher du soleil. Donc évidemment il faut qu'on pique-nique. C'est 21h le coucher du soleil. Donc on a un peu de temps devant nous. Elias a pris un sac avec plein de voitures. Donc voilà, on va aller se balader un petit peu. Et Elias a décidé d'emmener plein de voitures. À chaque fois il ramène son sac de voitures de jouets. Et il s'éclate, n'est-ce pas? Oui. C'est trop bien. C'est laquelle ta voiture préférée? C'est chou. La rouge? Oui.
Demain, t'as une grosse journée de prévu, hein? Ah oui, c'est une grosse journée demain. Orthophoniste, coiffeur, plein de choses. Non, t'as pas le droit de dire ça, Coco. Bon, je ne vous fais plus part des endroits où on prend nos repas du soir. Bon, on habite dans un endroit super joli. Actuellement, on met 3 minutes pour venir ici en voiture. Donc clairement, c'est du temps à manger dehors. Donc on a décidé de prendre tous nos repas du soir en extérieur. On est trop bien. Puis Romain, à chaque fois, il prend l'appareil photo. Là, il est un peu deg parce qu'il n'y a pas du tout de nuages. Vous allez dire, mais Romain, genre, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de nuages? Mais c'est que pour les photos, avec la couleur du ciel au coucher du soleil, c'est plus joli avec des nuages. Et du coup, il est en train de réfléchir à sa prochaine photo là. Parce qu'un ciel tout bleu, ça manque d'intérêt en fait. Alors que tu sais, ils vont nous dire, et tu sais, les gens qui habitent dans le nord ou en Bretagne et tout, genre là où il fait pas super beau et où il y a des nuages, ils vont dire, t'es sérieux Romain de dire qu'un ciel avec des nuages ça manque d'intérêt? C'est une pas blague! Des nuages noirs, des nuages blancs où le coucher de soleil va refléter dedans, c'est magnifique. Voilà. Ça fait des nuages en feu, c'est magnifique. Voilà, c'est coloré quoi. On essaiera de vous avoir des photos comme ça, on va essayer d'avoir tout ça. Bref, on est en train de manger, on est au dessert et on est en train de se faire des petites framboises. Et c'est trop trop bon. Alors monsieur l'escaladeur là, il escalade tout. Oui. Ouhou. Tu t'amuses bien? Oui. Avec la main aussi, avec la main. Oui. Ouais, il est fort Elias. Il est fort. Hein. Je fais tout ça. Tu veux descendre? Elias, il a mangé des framboises. Et comme un super fils, il est venu essuyer ses mains sur le t-shirt blanc de Romain. Il est ravi. Ouais, c'est pareil, hein? Ça se lave. Ouais, j'espère que je vais réussir à... Ouais. Au taquet, Elias, ce soir, hein? Mais pas dans ta bouche, c'est sale. Coucou, je vous reprends à la maison. On a passé une super bonne soirée. Romain n'a pas pris du coup de photos parce qu'il n'y avait pas suffisamment de nuages pour avoir quelque chose de joli. Moi je viens de me poser un masque de la marque Pomelo sur les cheveux que je vais laisser agir. Après j'irai prendre ma douche et me laver les cheveux comme ça. Ça fait du bien de temps en temps, je fais une à deux fois par semaine un masque. Je me lave deux fois par semaine les cheveux, donc à chaque fois je me fais un masque en même temps. Ça permet de bien les nourrir, de plus que je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis tellement longtemps. Du coup voilà, je les nourris comme ça. Et demain les garçons ont enfin rendez-vous chez le coiffeur, tous les deux. Ils ont trop hâte, ils ont des cheveux hyper longs. Même Elias commence à avoir la frange devant sur les yeux. Donc ils ont vraiment hâte d'aller chez le coiffeur, rendez-vous orthophoniste. Demain je dois voir la maîtresse aussi d'Elias pour récupérer des papiers, tout ça. Enfin bref, il y a plein de petites choses à faire demain. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur les divers réseaux sociaux. Ciao, ciao !